Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer plusieurs collections les Minecraft. Alors je vais commencer par la collection Happiness. Donc, qu'est-ce que la marque en dit? Il y a 12 différents designs, donc 6 doubles pages, 250 grammes. Et bien sûr, c'est du 30-30. Donc, je vais essayer de vous montrer ça correctement. On a ce joli papier de fond avec plein de choses à détourer. Ensuite, on a cette jolie page comme ça. On a ensuite ce joli fond et celui-ci. Ensuite, on a ce joli fond et celui-ci. On a ensuite celui-là et celui-là. Plein de petites choses comme ça à détourer ou pas, on fait comme on veut. Et puis cette jolie page. Ensuite, on a ce joli fond, un peu comme un tricot. Et puis, on a cette jolie page. Et pour terminer, on a cette page. Donc voilà pour le bloc 30-30. Ensuite, pour le bloc 20-20. Donc voilà pour déjà la couverture. Et ensuite, à l'intérieur, c'est le même papier. Pour l'instant, c'est la même chose en 20-20 que en 30-30. Alors, je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Comme ceci. Comme ceci. Ceci. Ceci, celui-là. Je passe un peu plus vite parce qu'en fait, c'est les mêmes papiers. Et là, on a deux fois les mêmes designs dans le bloc 20-20. Ensuite, on a le bloc Happiness Basique. Donc, c'est un bloc qui fait 6 par 8 pouces. Donc, il fait exactement 15 par 20. Voilà, c'est ça. Donc, 15 par 20, le bloc Happiness Basique. Donc, on a des cadres ici, ce joli fond à droite, deux jolis fonds, encore deux jolis fonds, encore deux jolis fonds, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. Ces deux-là, ceci, ceci, ceci et celui-là. Donc un bonus pattern on the back of the cover. Donc on a un papier bonus, donc c'est celui-là qu'on n'a qu'une seule fois. Et le reste, on a deux fois les mêmes six designs si je ne me plante pas. Ensuite, on a le Happiness élément en 15-20 également. Donc, on a des petites choses à détourer. Donc, toujours pareil, hein, en fait, l'arrière de la couverture, c'est compté comme une page bonus. Donc, c'est une page offerte par la marque. Donc, ensuite, on a des choses à détourer et des fonds. Comme ça. Celui-là, je vous le montre dans le bon sens. Ensuite, comme ça. Donc là, on a deux pochettes. Donc quand on les détourne, on plie à ces trois endroits et ça fait des pochettes. Donc on en a une rose et une verte. Ce joli fond avec des tags. On a des petits sentiments et un joli fond ici. Donc tous des petits sentiments comme ça en anglais. Mais c'est des mots qui sont très simples à comprendre. Ensuite, ceci. Et à l'arrière, les petits mots, ils sont en polonais. Et ensuite, on a encore une deuxième fois les mêmes designs. On a ensuite la collection Sweetness. Donc pareil, hein, le papier bonus à l'arrière de la couverture. Donc celui-là. D'ailleurs, il est dans ce sens. Donc voilà pour la couverture. Le papier est vraiment très joli avec des jolies petites cartes comme ça et un joli petit cœur au milieu. Ensuite, on a ce joli fond. Ici, on a un joli fond avec des petits cœurs.
Et puis ici, on a un joli fond également avec des petits oursons, des petits cœurs et des petits ballons gonflés, comme ça. Des cerises. Ensuite, on a des fraises. Et puis ici, on a ce joli fond. Ici, on a un papier à carreaux, un peu comme les nappes à carreaux dans le temps. Et ici, on a plein de petites choses à détourer. Ici, on a de nouveau un papier qui fait un peu tricot, comme dans le papier précédent. Et puis ici, on a ce joli fond avec les petits oursons ici. Donc, c'est un papier qui fait très amour, très Saint-Valentin. Voilà. Mais il n'y a pas qu'à la Saint-Valentin qu'on a le droit de s'aimer, bien au contraire, hein, et encore heureux. Ensuite, on a ce joli fond. Et pour terminer, on a ce joli fond tout rose. Voilà pour la collection Sweetness en 30-30. Donc le 20-20, c'est le même, sauf que ici, on a 4 cadres. Et alors, je vais vous le montrer quand même en 20-20, si vous le voulez. Donc voilà, les petits cœurs et le petit ours. Des fraises et la page comme ça. Ensuite, la nappe à carreaux et les petites choses à détourer. Le petit pull et le petit ourson comme ça avec tous les petits cadeaux de Saint-Valentin. Et on est reparti pour un tour. Ensuite, on a le bloc 15-20 en basique. Donc, on a celui-là avec les cadres bonus offerts et puis les papiers. Donc, voilà pour cela. 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 Cela et cela. Et on a deux fois les mêmes designs. Pour clôturer cette collection, on a le Sweetness Element. Donc on a ce joli fond et des petites choses à détourer ici, comme ça. Ce joli fond et des petites choses à détourer, comme ça. Donc ce joli fond en un peu plus foncé et des petites choses à détourer. Ensuite, on l'a en rouge. Donc, on a rose clair, rose fuchsia et rouge. Et on a ces petites choses à détourer. Ensuite, on a ce joli fond. Et encore deux pochettes à couper et à plier. Ce fond-là. Des petits mots d'amour en anglais et en polonais. Ensuite, des petites choses à détourer. Et encore ce fond. Et il me semble qu'on est encore reparti pour un tour avec ces jolis designs. Voilà pour cette collection. Et puis pour terminer, j'ai trois blocs à vous montrer. Donc je vais vous montrer le Memories puisqu'il est tout seul. Donc on a le bloc 30-30 pour cette collection-là. Donc je vais vous la mettre comme ça. Donc on a des petites cadres ici et un beau fond ici. Donc ce joli fond. Il est comme ça. Ensuite, on a ce joli fond et celui-là. On a un joli fond comme ça qui fait un effet bois. Et ce fond-là. Ensuite, on a des fleurs magnifiques, ici absolument magnifiques. Et on a ce fond-là. Ce fond-là qui fait un peu dentelle. Et puis celui-là, celui-là et celui-là avec l'horloge. Et ensuite, on a ça pour terminer. Donc là, on l'a qu'en 30-30. Je vous montre le Waiting for You qu'on a en 30-30 et également en 15-15. Donc, en 30-30. Voilà comment se présente ce bloc. Donc là, on a plein de petites choses à détourer. C'est une collection bébé, absolument magnifique. Et dans les tons basiques, hein, c'est des tons qui vont aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc quand on ne sait pas encore si on attend une fille ou un garçon, ça peut être sympa pour faire quelque chose ou pour offrir à une personne qui ne sait pas encore, qui ne veut pas savoir non plus si elle va avoir une fille ou un garçon. Donc voilà. Voilà ce papier. Celui-là. Celui-là avec le berceau.
celui-là, celui-là, avec des petits pois comme ça, avec les petits jouets, c'est trop mignon. Et puis pour la dernière page, et puis voilà pour la dernière page. Je vais vous montrer le 15-15. Alors, pour le bloc 15-15, on a quatre petites cartes comme ça. Ensuite, on a le petit chien. Alors là, on a 12 différents pas, 12 différents designs et on a 4 pages de chaque design. Donc on a 4 fois les mêmes designs. Donc on a celle-ci et puis on a celle-là. Ensuite, on a l'effet pull et les feuilles. On a celle-là et le berceau en bas. L'effet bois et cet effet-là. Les petits pois et les jouets. Et ensuite, on a ça. Et ensuite, donc, on a les mêmes designs 4 fois. Donc voilà pour les collections Lemoncraft qu'on a fait rentrer en boutique. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, j'y glisserai tous les liens vers les articles. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!